Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir Bobantissa, Yves, salut, Béatrice, bonsoir. Descruz, Fred Makoto, bonsoir. Exaudi, Jonah Oljas, salut. Piano Gospel, bonsoir. Daniel Garcia, Jacques, bienvenue. Pierre Warnier, bonsoir. Warnier, Debré Michel également. Lydia, salut, bienvenue. Bonsoir Rosie, bonsoir, bonsoir, les mardis reviennent vite. Oui, effectivement, c'est le temps qui passe vite, Rosie, hein, à mon avis, hein, ça doit être ça. Louise, salut, bienvenue Yves également, Brulin, un habitué, bien sûr. Didier aussi, hein, on se connaît bien maintenant, je pense. Salut Jean-Luc, bienvenue en tout cas. BSN85 également, bienvenue ce soir sur ce nouveau live. Salut Thomas, salut Snyton, bienvenue également. Voilà, je pense que vous allez être nombreux également ce soir. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Est-ce que vous m'entendez bien et surtout est-ce que le piano fonctionne ? Voilà, est-ce que le piano fonctionne ou est-ce qu'il y a toujours des petits problèmes de saccade ? Vous me le direz. Salut Lionel, bonsoir Nicole, bienvenue, Nicole Nardin. Un lien de parenté avec Fred Nardin ou pas, Nicole ? Bonsoir Philippe, Ghislaine, bonsoir, Jean-Marie également, bienvenue en tout cas sur ce nouveau live. J'en profite en tout cas pour vous dire que, en tout cas sur les nouveaux qui nous rejoignent ce soir, que vous retrouverez tous les anciens lives que nous avons fait, tous les précédents lives, il y en a à peu près une trentaine ou bien plus d'ailleurs, sur la chaîne Music Classroom, donc sous l'onglet Music Classroom Live, c'est-à-dire l'onglet Playlist, bien non. Donc vous allez avoir tous ces lives avec qui durent à peu près une heure et qui traitent à chaque fois d'un sujet différent. Vous pouvez donc le retrouver, évidemment, les revisionner, vous mettre à niveau, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets musicaux traités pendant ces lives-là. Donc je vous recommande pour ceux qui nous rejoignent, hein, les nouveaux, d'aller faire un tour et de revoir un petit peu tous ces sujets, vous mettre à flot en tout cas, pour comprendre toutes ces différentes notions, hein, qu'on a déjà développées. J'en profite aussi pour les... Bonsoir Suzy, bienvenue. Bienvenue Daniel également. Piano Gospel, Anne, salut. Bienvenue Anita, si je déforme les pseudos, Anita Sou, bienvenue également. Voilà, la deuxième chose que je veux dire à ceux qui nous rejoignent ce soir, c'est que dans une première partie, hein, on va faire un petit cours, et puis dans la deuxième partie, vous pourrez poser toutes vos questions donc en direct. Hein. Alors, ne posez pas trop de questions pendant que je parle, parce que je ne les vois pas de toute façon, donc vous aurez tout l'espace ensuite pour poser ces questions après le cours dont on va parler ce soir, puisque ce soir, on va parler des accords dans la chanson. Alors, on va bien parler des accords, pour être plus précis, pas des progressions d'accords, parce que ça, on a eu déjà quelques lives et quelques tutos qui en parlent assez longuement. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va parler des accords, quel type d'accords, en fait, employés dans la chanson. Et effectivement, on sait que, de toute façon, suivant le style de musique, voilà, les accords ne sont pas tout à fait les mêmes dans le jazz, plutôt que dans la chanson, plutôt dans la musique de film, ou effectivement la musique classique. Hein. Donc ces accords dans la chanson, alors le problème qui se pose, c'est que, évidemment, dans la chanson, donc si le piano va bien, Rosie, super, très très bien. Oui, dans la chanson, il y a un problème qui se pose, c'est que la chanson n'est pas un style en soi, évidemment, puisqu'elle peut être d'influence très très diverse, très multiple. Hein. On peut avoir des chansons vraiment d'influence classique, avec des accords tout à fait classiques. On peut aussi avoir des chansons à influence jazz, hein, par exemple, à influence blues, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Mais toutefois, on peut tirer quelques constantes comme ça, d'harmonie utilisée, d'accords utilisés dans la chanson, et en particulier dans les pop songs, hein, les pop songs que vous écoutez tous et que vous connaissez. Voilà, Rosie. Salut Y-Is, bonsoir, bienvenue. Salut Samel, bienvenue également. Voilà, donc on va parler de ces accords. Alors la première des choses, c'est qu'en général,
La chanson, contrairement au jazz par exemple, n'utilise pas tant d'enrichissement d'accords que ça. Et on peut dire en gros que les accords d'une chanson sont en général basés, je dis bien basés parce qu'on va voir qu'il y a des variantes ensuite, sont basés sur l'accord parfait. L'accord parfait, c'est quoi? Majeur, do mi sol, ou mineur, do mi bémol sol. Voilà. Et on trouve parfois des accords diminués. Do, mi bémol, sol bémol. Ici, je donne ça sur Do, c'est pour vous donner un exemple de ces trois accords. Alors, comme vous le savez, donc ces accords sont parfois joués en fondamental. Moi, ce soir, je vais juste prendre une petite progression de quatre accords pour illustrer un petit peu notre sujet ce soir. On va prendre, si je suis en Do majeur, le premier Do, mi, sol. C'est le premier degré. Ensuite, le cinquième Sol. Cinquième degré, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Sol, Si, Ré, qui est un accord aussi majeur. Ensuite, on va avoir le sixième degré, La mineur. Ici, La mineur, La, sixième degré de Do. Et ensuite, Fa, ici, Fa majeur. Quatrième degré. Donc en fait, on a 1, 5, 6 et 4. Voilà. Bon, cette progression, elle est connue, hein, puisqu'elle est utilisée dans la plupart donc, des chansons et des pop-songs, et a été même utilisée plusieurs fois, évidemment. Salut Giovanni, salut Hugo également. Et donc, on va jouer ces, voilà, avec une basse à la main gauche, ici, par exemple. On va jouer donc ça à l'état fondamental, ça veut dire qu'on joue sous forme de tierce comme ça, hein, donc avec à la note grave ici, la véritable basse de l'accord. Hein. On va la faire ici, cette basse, et les accords ici. Et on revient à Do. Alors voilà, donc là j'ai joué en fondamental, mais ce qui se passe évidemment... Bonsoir Tiane, bienvenue également, on se connaît bien je crois. Donc profite bien de ce live et n'hésite pas à poser des questions. Donc ici j'ai posé ça sous forme fondamentale. Voilà, les quatre accords, 1, 5, 6, 4, sont sous forme fondamentale. Alors, ce qui se passe dans la chanson, le plus souvent, c'est qu'on utilise beaucoup les renversements d'accords. Voilà. Pourquoi les renversements d'accords? Parce que, bien qu'on ait ces quatre mêmes accords, si on les renverse, c'est-à-dire que la basse n'est plus la vraie basse de l'accord, mais peut-être la tierce ou la quinte, à ce moment-là, la couleur va changer. Par exemple, je vais ici prendre le premier degré, Do majeur, donc sous forme fondamentale Do mi sol. Mais le deuxième degré ici, je ne vais pas le prendre donc sous Sol, Si, Ré à la basse, mais je vais mettre un Si, c'est-à-dire la tierce de Sol. Et là, j'aurai ça. Ensuite, pour le La mineur, au lieu de faire La, Do, Mi, je vais faire Do, premier renversement de La, c'est-à-dire ça. Et ensuite, pour le Sol, eh bien, on va faire fondamental ici, ou quatrième degré, Fa ici, fondamental. On peut avoir ceci donc. Vous voyez, la couleur a changé. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai utilisé des renversements de ces accords à trois sons, ces triades, hein, accords parfaits, donc ici. Donc, on pourrait même commencer, par exemple, sur un autre renversement, par exemple, Do, ici, fondamental. Voilà. Ensuite, pour le Sol, on va prendre son renversement sur Si. Ici, Si à la basse, donc Sol majeur sur Si. Puis ensuite, sur La mineur, on va prendre son renversement sur Do, donc Do mi la en fait. Et puis, on va prendre la fondamentale de Fa majeur. Voilà. Donc, le fait de renverser les accords, c'est-à-dire de prendre finalement des notes de basse qui ne sont pas toujours donc la fondamentale de l'accord, mais parfois la tierce ou la quinte de l'accord, ça change déjà pas mal la couleur, hein, ici. Alors, si je prends une autre progression qui va faire 1, 6, 4, le Fa, et Ré, et Sol. Voilà. En fondamental.
par exemple. Hein, ben on va essayer d'utiliser là aussi des renversements. Alors le premier, c'est Do majeur en fondamental. Ensuite, on va faire Do mi la, premier renversement. Puis avec Fa ici, on va faire La do Fa. Premier renversement. Puis Ré mineur ici, on va faire fondamental. Et au lieu d'aller sur Sol, Sol, Si, Ré, on va faire plutôt Si, Ré, Sol. Avec Si à la basse, premier renversement de Sol, Si, Ré. Vous voyez donc, encore là, je change de couleur. Et bien ça, c'est propre à la chanson et aux chansons en général. C'est qu'on va utiliser, bien sûr, des renversements d'accords. D'abord, les renversements d'accords, ça permet de changer de couleur, c'est donc très utile. Salut Kafa. Et puis, ça nous permet aussi une autre chose, c'est de bouger le moins possible. Par exemple, au lieu de faire Do, Sol en fondamental, on fait Do, Si. Voilà, et là j'ai Si, Sol, Ré, renversement de Sol, Si, Ré. Et je bouge le moins possible pour ma basse. Ma basse ne fait plus Do, Sol, elle fait Do, Si. Voilà, premier renversement. Après, on va avoir, donc au lieu de Fa, La, Do, on va avoir La, Do, Fa. Donc j'ai pour l'instant Do, Si, La. Et puis Sol, fondamental. Voilà, et j'ai ça. Regardez la basse ici. Renversement. Et fondamental pour Sol ici. Voilà. On alterne donc des accords sous forme fondamentale, avec la véritable base de l'accord à la main gauche, et puis des accords sous forme de renversement qui peuvent être donc sur la tierce d'un accord à trois sons ou sur sa quinte. Sur la tierce, on parle de premier renversement. Hein. Regardez, Do, Mi, Sol, fondamental, premier renversement sur Mi, et Sol, Do, Mi, deuxième renversement sur sa quinte Sol, d'accord ? Donc de cette façon, on peut bouger le moins possible, un petit peu comme en jazz, hein, d'un accord à l'autre. Et ça permet en même temps, bien sûr, de changer la couleur de l'accord, puisque ce sont toujours les trois mêmes notes de chaque accord. Mais le fait de les renverser, la couleur change, parce qu'à la basse, justement, on n'a plus toujours la fondamentale, mais parfois la tierce ou la quinte de l'accord à trois sons. Voilà, ça c'est important dans la chanson. Alors finalement, on trouve aussi des positions comme ça. Au lieu de faire Do, Mi, Sol à la main droite, bon, on va avoir fondamental Do, on va faire Sol, Do, Mi. Après, on va mettre Si à la basse renversée pour Sol. Voilà, ça change. Puis on va faire un La mineur 7 avec le Sol, la septième de La mineur. Sol, Do, Mi. Et puis sur Sol, on va faire un Sos 4 par exemple. Et résolution. Sol, Sos, 4, résolution. Voilà. Donc vous voyez, la couleur avec les renversements change. Donc c'est une bonne idée de développement pour les chansons. Essayez donc de ne pas toujours mettre votre fondamental, mais parfois donc avoir aussi des renversements. Et vous verrez que le fait de mettre une autre basse, ça va changer cette couleur. Et ça peut être assez intéressant. Alors les deuxièmes choses que l'on trouve, deuxième constante en fait, que l'on trouve dans les chansons, c'est aussi, et j'avais fait un tuto d'ailleurs à ce sujet-là, c'est l'utilisation des accords sus2. Vous vous souvenez de ce tutoriel qui n'est pas si vieux que ça. Sus2 sur Do, Mi, Sol, c'est Do, Ré, Sol. Alors Do, Ré, Sol, bien sûr, sus2, sus2, le 2, c'est évidemment le Ré hein, en Do. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme une neuvième finalement ce Ré. Hein. C'est peu la neuvième de Do finalement. Voilà le sus2 qui est assez intéressant. Si je le reprends sur ma petite progression d'accord, c'est-à-dire Do ici, on peut le garder même sur Sol, et ça fait un sus4. Et après sur La, on peut aussi le garder. Et sur La mineur, eh bien le Ré c'est une onzième, hein, c'est la quarte. Et puis sur Fa, mon quatrième degré, le dernier, eh bien ici, voilà, Fa, Do, Ré, Sol, hein, c'est un petit peu comme un Fa majeur, mais on n'aurait pas la tierce, le La. On aurait par contre le Ré qui est la sixte de Fa, d'accord. Alors si je joue cet enchaînement avec ce sus2, ces accords sus2, qui va rester en place ici sur les quatre accords, donc accord commun aux quatre basses, hein, Do, Thank you.
une sonorité assez un peu plus moderne, hein, un peu plus pop-song actuel. Bien sûr, on pourrait changer cet accord commun, hein, on pourrait le changer en faisant Do, Ré, Sol, donc sur Do. On pourrait faire Sol, La, Do sur Sol. Et La, Si, Mi sur La, Sos, 2 sur La. Et puis ici, Fa, Sol, Do pour Fa. Ça aussi, c'est intéressant. Sonorité des sus 2 qu'on entend souvent dans les pop songs, hein, un petit peu plus moderne, hein, pas la chanson traditionnelle, mais disons les pop songs que vous êtes habitués à écouter tous les jours. On va peut-être passer à un autre accord, hein, on l'avait dit aussi, c'est le sus 4. Alors le sus 4 sur Do Mi Sol, donc sur un accord de Do majeur, c'est Do Fa Sol. Do Fa Sol, c'est quoi? Eh ben, on met la quarte à la place de la tierce, simplement, hein, d'accord. Donc ça aussi, c'est intéressant sur Do. Si je vais sur Sol, ça fera un sus 4 avec le Do, la quarte. Puis sur La, ça fera un Fa majeur 9 avec le Sol là-haut. Et puis Fa majeur, pareil, avec le Sol qui est ici la 9e de Fa. Donc ça le colore bien, hein. Voilà. Vous voyez, une autre sonorité encore, le sus 4 très utilisé. Alors on peut parler maintenant des enrichissements un peu de ces accords, puisqu'on a parlé jusqu'ici d'accords parfaits à trois sons, hein, qu'on appelle donc les triades. Salut Hélène, bienvenue. Alors les triades, évidemment, sont utilisées, on vient de le voir à profusion, d'accord. Mais souvent aussi, on trouve certains enrichissements dans la chanson et pas d'autres. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est dans le style des chansons en général. Bien, par exemple, c'est d'éviter la septième. Voilà. Dès qu'on met une septième majeure sur Do Mi Sol, hein, je mets Si, la septième majeure ici, et ben effectivement, voilà, ça donne quand même une connotation un petit peu jazzy déjà, ou voire musique de film, etc. Donc la septième, et en particulier la septième majeure, n'est pas très très utilisée dans les chansons. On va lui préférer la neuvième, le Ré. Donc on va remplacer les septièmes par les neuvièmes ici, la neuvième de Do, c'est Ré bien sûr. Donc au lieu de faire ça, voilà, Do Mi Sol, on va faire Do Ré Mi Sol par exemple. Voilà. Donc on a ça. Sur Sol, ça fait faire Sol La Si Ré. Le La étant la neuvième de Sol. Sur La mineur, eh ben, on va faire plutôt La Si Do Mi. Et sur Fa, on va avoir Fa Sol La Do. Avec le Sol la neuvième de Fa. Donc voilà une couleur intéressante dans les chansons, c'est de plutôt utiliser les neuvièmes plutôt que les septièmes. Et en particulier les septièmes majeures qui ont une connotation tout de suite un peu plus mielleuse, hein, un petit peu quelque chose de plus, voilà, plus suave, qui ne correspond pas toujours aux chansons. Et on va voir ceci avec les neuvièmes. Les neuvièmes passent tout à fait bien dans une chanson, les septièmes moins bien. Alors pas toutes les septièmes, on a parlé de la septième majeure qui est un petit peu plus suave comme ça, qui n'est pas très très recommandée dans certains styles de chansons, en particulier les pop songs. Mais ce qu'on va avoir plutôt, c'est des septièmes par exemple de dominante. Alors la septième de dominante, oui, elle est tout à fait possible. Par exemple sur Sol, en Do majeur, la dominante c'est le cinquième degré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Ré, Fa. Alors là, par exemple, Sos 2 sur Do, ensuite sur Sol je peux mettre une dominante, puis La mineur, Sos 2 aussi, et Fa majeur. Voilà, j'ai mis une dominante sur Sol. Septième de dominante, pas de problème, on les retrouve partout, hein, on les retrouve dans les chansons, etc. Il y a une autre septième qu'on peut utiliser dans les dominantes, c'est la septième l'accord de septième mineur. Alors par exemple, Do majeur et pas de problème, on met une neuvième, le Ré. Sur Sol, pas de problème, on peut mettre une dominante. Et sur le La mineur, par exemple, on peut mettre au lieu de La, Do, Mi, hein,
la Do-Mi-Sol avec la septième mineure ici. Ça, c'est intéressant. Après, on pourrait aller sur Ré mineur et Sol 7 ou Sol sus 4 avec Sol résolution. Sol sus 4, Sol doré, Sol ciré. D'accord. Voilà, j'ai mis donc une septième mineure sur le La 7 ici, accord de septième mineure qui est possible dans les chansons effectivement. Hein, d'accord. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Ce qu'on trouve aussi beaucoup dans les chansons, c'est d'avoir toujours un accord, par exemple Do, Mi, Sol, et puis d'y trouver d'autres basses dessous. Par exemple, Fa. Et là on a un Fa, La, Do, Mi, un Sol même, un Fa majeur 9 avec la septième, le Mi, et le Sol ici la neuvième, d'accord ? Ensuite, si je vais sur Sol, par exemple, Sol, Do, Mi, donc renversement de Do, Mi, Sol, deuxième renversement, d'accord. Voilà. Et ensuite, on revient à Do. Alors, ça fait ça. Je veux dire par là que la basse ne fait pas forcément partie de Do, Mi, Sol, ici. C'est parfois ce qu'on appelle des basses étrangère. Basse étrangère, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'accord à la main droite. Par exemple, Do, Mi, Sol, je suis sur Do, Mi, Sol. Là, le Do fait partie, effectivement, de Do, Mi, Sol. Mais si je vais sur Fa, ben Fa, évidemment, ça fait plus partie de Do, Mi, Sol, d'accord ? Alors souvent, on a ça dans ces chansons-là. Sol, Do, Mi, oui, fait partie de Sol, donc c'est deuxième renversement de Do, Mi, Sol. Et puis le La mineur, par exemple. Voilà, et là on a un La mineur 7 avec le Sol, la septième là-haut, tu vois. Donc voilà, on peut aussi utiliser, pas seulement donc dans les bases des renversements, c'est-à-dire des notes qui font partie de l'accord, mais on peut aussi donner des basses, dans beaucoup de chansons d'ailleurs, des basses qui souvent ne font pas partie de l'accord qu'on met à la main droite ici, par exemple. Fa, c'est la onzième, dit Kafa. La onzième, oui, ça dépend sur quelle basse. Fa, c'est la onzième, oui, c'est peut-être le sus 4 aussi, c'est la onzième effectivement de Do, hein, en tout cas. Donc vous voyez, ça donne des couleurs comme ça, c'est intéressant. Donc voilà encore une constante qu'on trouve dans les chansons, toujours avec des accords à trois sons à la main droite, accord parfait, majeur, mineur, parfois diminué effectivement. Et puis à la main gauche, on va avoir des basses qui se baladent comme ça et qui peuvent évidemment être communes à ce même accord. Cet accord va rester en place, mais on peut avoir des choses plus dissonantes, par exemple Do majeur, là c'est consonant, et si je vais sur un La bémol, voilà, plus dramatique déjà. Donc si je vais sur un, par exemple sur un Ré mineur, voilà, Ré mineur 11, hein. Et si je vais sur un Sol, eh ben, je trouve avec le Do le sus 4. Voilà, donc vous voyez, voilà, dans les chansons, il y a certains accords qui sonneront mieux et, ou d'autres qui sonneront plus modernes. On l'a vu tout à l'heure avec le sus 4 et le sus 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas, je vous conseille le tuto hein, que j'ai fait sur l'enrichissement des grilles d'accords de pop song là, sur le sus 2, etc. Donc voilà, ça c'est aussi évidemment... Alors, comme je l'ai dit au départ, hein, tout à l'heure, lorsque évidemment vous travaillez dans un style particulier de chanson, si c'est du jazz, eh ben, il n'y a pas de problème, je vais utiliser des accords jazz, d'accord ? Je vais plutôt utiliser ça. Plus
jazzy, d'accord ? Mais si c'est une chanson, vraiment chanson traditionnelle, je vous conseille de rester sur des accords assez classiques. Et si vous voulez les enrichir un petit peu, enrichissez-les de la neuvième, souvent de la neuvième de chaque accord. Enrichissez-les aussi des sus 2, sus 4. Et puis, comme je vous l'ai dit, avoir un accord, mais avec parfois des basses étrangères à cet accord, c'est-à-dire qui ne correspond pas forcément, qui ne fait pas partie en fait de l'accord. Par exemple, ici, le Fa sur Do Mi Sol ne fait pas partie de Do Mi Sol, donc voilà. Et là, on peut travailler. Alors souvent, vous l'avez vu, et puis je l'ai fait ici d'ailleurs, c'est qu'on garde un seul accord et on va mettre des basses différentes sur cet accord. D'accord ? Ça, c'est important. Donc voilà, c'est un, disons, un langage que vous pouvez utiliser dans les chansons. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai choisi une petite progression d'accords, mais le sujet de ce soir, c'était plutôt quel type d'accord, c'est-à-dire quelle couleur d'accord on utilise. Donc, je vous l'ai dit, voilà, ces couleurs-là sont tout à fait utilisables dans la chanson. Après, bien sûr, tout est libre, hein, on peut utiliser les... Mais voilà, si vous voulez faire de la chanson, du pop-song, etc., il vaut mieux se restreindre à certaines sonorités, hein, des sonorités qui sonneront peut-être plus actuelles, etc., et moins, voilà, moins sirupeuses, un petit peu comme dans le jazz, etc. Hein, le jazz nécessite d'autres enrichissements, puisqu'on utilise des 9e, des 11e, des 13e. Donc, évidemment, l'harmonie jazz, c'est ce qu'il y a, évidemment, de plus riche, hein, par rapport à la musique classique, à la chanson, etc. Si vous maîtrisez l'harmonie jazz, il est évident que revenir ensuite à la chanson, c'est beaucoup plus simple. Et donc, vous aurez beaucoup moins de mal à comprendre, évidemment. Ensuite, ce sont les progressions d'accords. Hein. On n'en parlera pas ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, c'est comment, effectivement, enchaîner ces accords, hein, et ces couleurs d'accords qu'on vient de voir ce soir. Alors là, beaucoup de possibilités. Là, je vous ai choisi ce soir une progression qui faisait 1, 5, 6, 4, par exemple, qui est tout à fait commune. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Et là, on peut en inventer encore, bien que beaucoup de choses ont été dites déjà dans les milliers de chansons qui existent, hein, et les pop-songs qu'on écoute aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir vos questions sur ce sujet, hein, des accords et des couleurs d'accords utilisées dans les chansons. Et j'y répondrai si je peux, bien sûr. BSN 85, à quel moment on met un accord 6 du coup ? Ben, l'accord 6, c'est quand tu veux reprendre un premier renversement comme ça et bouger le moins possible, de Do par exemple à Si Ré Sol, d'accord ? Voilà, là j'ai un accord 6. En fait, c'est la basse qui guide. Pour moi, dans une progression d'accords, c'est la logique de la basse qui est importante, la basse d'accords qui est importante. C'est ça qu'on doit trouver sous une mélodie avant de créer les accords, c'est de trouver une basse en fait. Voilà, trouver une basse par voie conjointe, mais qui peut changer. Voilà, conjointe. Voilà, ça c'est important. Coltrane, les drops ont-ils leur place ? Oui, alors les drops c'est autre chose, c'est différent du renversement. Par exemple, si je prends, pour ceux qui ne savent pas, hein, ce qu'est un drop, si je prends Do Mi Sol, j'ai Mi Sol Do premier renversement et Sol Do Mi deuxième renversement. Mais le drop c'est autre chose, c'est un changement de position. Le Do Mi Sol va devenir, par exemple, je vais le placer ici et j'ai obtenu ici un accord en dixième, hein, de Do à Mi à une dixième, Do Sol Mi. Voilà, j'ai fait un drop 2. Drop 2, ça veut dire que j'ai pris la deuxième note ici à partir du bas, le Mi, dans Do Mi Sol, et je l'ai placé à l'octave au-dessus, par exemple. Et là, j'ai Do Sol Mi. Voilà, ça, c'est le drop 2. D'accord ? Et à ne pas confondre avec le renversement. Le renversement, c'est renverser les mêmes notes d'un accord, mais dans l'ordre, comme ça. Et le drop, c'est changer de position, changer d'écartement. D'ailleurs, dans cette position en dixième, c'est intéressant parce que on a entre Do et Mi un intervalle de dixième et puis Do Sol ici la quinte. Donc Do Sol c'est une quinte, ce qui nous permet de descendre assez bas et de toujours sonner. La quinte sonne très bien même dans le grave. Tu vois ? Donc je le prenne là ou là, ça sonne toujours dans le grave. Tandis que si vous faites Do Mi Sol, ça sonne plus. Voilà. C'est l'intérêt des drops. On s'en sert beaucoup dans l'arrangement aussi. C'est dans l'arrangement jazz en particulier. On fait des drops 2 sur des, par exemple sur des trombones, hein, 4 trombones comme ça, au lieu de faire Do Mi Sol Do. Voilà, on va faire Do Sol Mi Do. Voilà, Do Sol Mi Do au plus bas pour les trombones. Et là, ça sonne, c'est une sonorité évidemment très stable. Donc dans l'arrangement, c'est assez intéressant les drops 2. Jean-Marie, peut-on substituer des accords en variété ? Oui, on peut, mais la substitution, c'est quand même, effectivement, ça répond un petit peu à une certaine liberté du jazz.
Donc substituer, en fait, c'est quoi? C'est un petit peu une, comment dire, une improvisation un peu de l'harmonie, hein, substituer des accords. Mais on peut le faire effectivement en variété aussi, on peut réharmoniser simplement une mélodie chanson, c'est tout à fait possible, à condition de rester dans le caractère, hein, caractère chanson, pop song, etc. Yves, comment je fais une résolution quand je joue en mode accord? Je ne comprends pas bien le terme. D'accord Yves, la résolution c'est que dans la musique modale, enfin tonale du moins, il y a certaines notes qui sont attractives, ce qu'on appelle attractives. Par exemple, si tu es sur une dominante de Do, Sol, Si, Ré, Fa, c'est la septième dominante, il y a deux notes attractives qui sont le Si, en Do c'est la sensible, septième degré, et le Fa, qui est le quatrième degré ici, et en même temps la septième de dominante. Ben, ces deux notes sont attractives. Donc ça veut dire que dans l'accord qui suit, elle nécessite une résolution. Ben, le Si, la sensible, septième degré d'une gamme, hein, va monter sur Do, donc ici d'un demi-ton, tu le vois, et le Fa ici va descendre pour se résoudre ici. C'est ça qu'on appelle les résolutions, ce sont des notes attractives qui nécessitent dans l'accord suivant une résolution. D'accord ? Est-ce que tu as un autre exemple que Do Mi Sol avec fondamental Fa, Yves? Merci. Do Mi Sol avec fondamental. Mais toujours en gardant Do Mi Sol, Kafa? Oui, je pourrais voir ça, Si bémol. Intéressant. Tu vois. Voilà, oui, on peut avoir d'autres. Si c'était ta question, hein, Kafa, bien sûr. On peut avoir d'autres fondamentales, mais on peut avoir d'autres accords, hein, bien sûr. Et là, Do Mi Sol, c'est pour l'exemple, hein, uniquement pour simplifier un peu les exemples. Glaudie, Yves, quelle nature d'accord utiliser pour les chansons gospel? Ben, c'est un peu ça aussi, le gospel est très très basé sur ces accords parfaits, hein. Là, j'ai mis une série d'accords avec toujours une de basse Do ici qui reste en place comme ça. Tu vois, c'est intéressant ça. Philippe, j'utilise souvent ce type d'accord dans la musique antillaise. Avant d'être non-voyant, je jouais dans un groupe de musique antillaise. D'accord, oui, effectivement. Et c'était de la chanson, je suppose. Donc, Philippe, c'était de la chanson, hein, il me semble aussi. Donc, ça colle tout à fait, hein, je veux dire, ce type d'accord parfait avec des basses peut-être différentes à chaque fois. Thomas, Yves, faut-il systématiquement résoudre le sus 2 ou sus 4? Non. Non, non, pas dans la musique. Les résolutions de sus 2 et sus 4, enfin du moins sus 4 en particulier, parce que le sus 2, c'est pas une invention un peu plus moderne, hein, du jazz aussi. On l'a beaucoup dans Chick Corea, justement. Voilà. Sus 2, donc, se résout pas trop, trop. C'est une harmonie à part entière. Hein. À partir du 20e, tu sais, les accords sont pris en tant qu'accords, même s'ils sont dissonants. Hein, d'accord. Dans la musique classique, c'est différent. Effectivement, le sus 4, dans la musique, se résout ici, sur le mi, tu vois. En général. Ou en mineur. D'accord. Non, on ne doit pas systématiquement résoudre. On n'en a pas besoin, en tout cas. Snyton, sur les partitions de chansons, paroles et accords au-dessus, le renversement est parfois indiqué. Ça correspond à la version originale, il faut le faire obliger. En principe, oui, sur les partitions de chansons, si elles sont bien relevées, Snyton, oui, ils indiquent évidemment qu'est-ce que tu as à la basse. Bon, tu sais, vous savez tous que c'est les langages en lettres, hein, et en général, si on veut une basse, on met un slash comme ça, avec une note en lettres aussi, ça veut dire accord sur basse, hein, simplement. Lorsque la barre est horizontale, comme une barre de fraction, on peut mettre deux accords superposés, ça c'est la bitonalité, hein, où il y a plusieurs tonalités, deux accords aussi peuvent être superposés. Hein. Mais ça, on ne le fait pas trop dans la chanson, évidemment. Samel, comment jouez-vous le Fa dièse mineur? Oh ben, Fa dièse, La, Do dièse, Mi. Fa dièse, La, Do dièse, et si tu veux rajouter une septième, le Mi. D'accord? Fa dièse, La, Do dièse, Mi. Voilà, Fa dièse mineur. Un peu enrichi avec la neuvième ici. Voilà, Fa dièse mineur.
Louise, que veut dire SOS 4? Ah, SOS 4, SUS 4, pas SOS 4. En fait, c'est quand tu as un accord de Mi, ça c'est Do majeur, donc. Et si tu mets à la place du Mi le Fa, on dit SOS 4, c'est-à-dire que le Fa remplace le Mi. Et le Fa est la quarte, en fait, de Do, d'accord? Donc ça donne un accord SOS 4, ce qu'on appelle SOS 4. Bon, j'espère que c'est clair. Wendy, comment trouver la tonalité d'une chanson plus rapide? Plus rapidement, tu veux dire? Oui, ben la tonalité, bon, c'est entre autres qu'est-ce que tu as à l'armure de la clé, hein? C'est-à-dire entre la clé et l'indication de mesure, tu dois avoir un certain nombre d'altérations, de dièses, de bémols ou pas, simplement. Eh bien, on la trouve de la même façon que sur une partition classique, c'est-à-dire suivant le nombre de dièses ou de bémols, tu dois savoir quelle est la tonalité de ton morceau, en tout cas, ou d'une chanson. Voilà. Sachant, Wendy, que dans le courant de la chanson, on peut moduler, c'est-à-dire aller évidemment dans d'autres tonalités que celle qui est indiquée au départ, c'est-à-dire celle qui est la tonalité générale. Hein. Glody, Yves, tu nous as donné l'exemple de la progression 1, 5, 6, 4, oui, pour la pop ballade, oui. Pouvez-vous nous donner aussi pour le gospel? Le gospel n'est pas, ne donne pas plus. Tu sais, le gospel est beaucoup basé sur le blues, hein, notamment sur le 1, le 4, le 5. Tu vois? Le gospel est basé aussi sur ces progressions très proches du blues d'ailleurs, très proches du blues, d'accord. J'ai fait Glody donc des tutos sur trois gospels différents, dont Happy Days d'ailleurs. Tu peux le regarder si tu ne l'as déjà fait, c'est-à-dire voir un petit peu comment s'enchaînent les progressions et même comment les substituer, comment les enrichir un petit peu. Hein. Donc je te conseille de regarder sur la chaîne dans les vidéos. Abel, quelle est la différence entre un accord 9e et le sus 2? Alors la différence, c'est que lorsque tu fais un sus 2, il n'y a pas la tierce, le mi. Et si tu mets maintenant do mi sol en bas, voilà, et là on a une 9e. On a une 9e parce qu'on a vraiment un accord do mi sol et le ré étant la 9e. Tandis que quand il n'y a pas le mi, la tierce, voilà, on reste sur un sus 2. Sus 2, ça veut dire qu'évidemment, à la place du do, on met le ré ici en plus, parfois, comme ça. Voilà, c'est la différence. Yves, si j'ai bien compris, la résolution concerne les notes et non les accords. Oui, tout à fait, mais on peut dire aussi qu'un accord de dominante, sol, si, ré, fa, par exemple en do majeur, se résout sur do majeur. Hein? Sol. Donc là, on peut dire que l'accord de dominante s'est résolu sur l'accord de do, l'accord de tonique, hein, du premier degré. D'accord. Exodie, peut-on jouer une basse qui ne correspond pas à la note, par exemple la basse si et à la main droite do mi sol? Oui, tout à fait. Parce que si tu fais do mi sol comme ça et que tu vas sur si, le si peut être pris comme une note de passage vers le la, par exemple. Mais si tu t'arrêtes sur le si avec do mi sol là-haut, bah c'est simplement un renversement de do mi sol si. Troisième renversement avec si à la basse. Voilà, donc c'est tout à fait possible, bien sûr. Louise, sus 4, ok, merci. Je t'en prie, Louise. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, en tout cas. Jean-Luc, les partitions à quatre voix chorales, oui, doivent être jouées telles qu'elles sont écrites, ou peut-on modifier la partition lors de l'accompagnement piano? Alors, si tu parles d'un chœur, hein, c'est-à-dire d'une écriture pour quatre voix de chœur, donc, il faut faire attention à ce que tu fais au piano parce que, évidemment, il faut être en parfaite harmonie avec ce qui est joué. C'est-à-dire que si les quatre voix donc du chœur jouent une certaine harmonie, toi, au piano, tu ne peux pas évidemment l'accompagner avec une autre harmonie, sinon ça va cafouiller, quoi, finalement. Donc il faut bien connaître quelle est l'harmonie développée par ces quatre voix, hein, donc chœur vocal, et puis essayer d'être en harmonie avec ça, hein, quand tu joues et quand tu accompagnes par exemple un chœur, et je crois que c'est la question que tu me poses, hein. Tout à fait.
Tianhong, vos rythmes sont beaux, y a-t-il des conseils? Alors, la rythmique, c'est-à-dire la mise en mouvement de ces accords et de ces harmonies, ça fait partie plus, Tianhong, d'un cours d'accompagnement, d'ailleurs, qu'on travaille ensemble, hein. Effectivement, ça se fait souvent au feeling ou par habitude, simplement, quand je fais ceci. Tu vois, on en a parlé d'ailleurs, Tian, hein, à un moment donné, avec cette alternance entre les accords répétés, par exemple, et des arpèges. Alors là, on rentre dans le monde de l'accompagnement, c'est encore autre chose, hein, d'accord? Oui, effectivement, les conseils, ça se fait beaucoup au feeling aussi. Et puis, on l'a vu aussi, des accords répétés, comme ça. Alternant avec des arpèges. Voilà, donc un mélange, hein, Tian, un mélange d'arpèges. Et puis on les met en rythme, évidemment, ici dans une mesure à quatre temps, mais ça peut être du trois temps aussi, hein, bien sûr. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Thomas, sus suspendu, oui, bien sûr. SUS, oui, suspended. Obisraël, oui Thomas. Snyton, le piano c'est simple, tu appuies sur n'importe quelle touche et tu arrives à donner un nom à un accord. Ça passe, on ne te dira rien. Oui, c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu as essayé l'indépendance des mains au piano? Voilà, j'ai fait quelques tutos. Tu vas voir que c'est pas si simple, le piano. Wendy, quels sont les doigts à utiliser pour jouer un piano débutant quand on fait un triade? Ah, tu parles des doigtés, Wendy. Les doigtés, ben, triade, do, mi, sol, je mets 1, 5, 3, 1, hein, simplement. Il y a d'autres possibilités, hein. On peut mettre 5, 4, 2 aussi, hein. Moi, c'est moins pratique, mais bon, la première qui me vient, c'est 5, 3, 1 à la main gauche, hein, en tout cas, d'accord? À la main droite, 1, 3, 5, l'inverse. 1, 3, 5, d'accord? Jeans, covers, quels sont les accords ou les jeux à faire pour passer un accord mineur à un accord majeur? Je comprends pas bien la question, Jeans. Quels sont les accords à faire pour passer d'un accord majeur à un accord mineur? Il n'y a pas tellement de règles, ça dépend de ta grille d'accords, hein, Jeans. Là, je suis passé effectivement d'un accord majeur à un accord, autre accord majeur, puis un accord mineur, et puis un quatrième accord majeur. Voilà, c'est une progression qui fait comme ça, mais ce qui donne le majeur et mineur, c'est peut-être la tonalité. Là, on est en do, hein, d'accord? Tu sais qu'on peut construire sur chaque note de la gamme de do un accord, et tu vas voir que tu as majeur, mineur, mineur, majeur, mineur, diminué et majeur. Voilà, ça dépend de ta tonalité. Là, on est dans la tonalité de do majeur. Donc voilà, suivant le degré sur lequel tu construis un accord, le 2, le 4, le 6, ben les accords vont être automatiquement majeur, mineur ou voire diminué. Hein. Coltrane, quand on met les basses étrangères, c'est empirique ou bien il y a des règles? Non, la seule règle, c'est quand même la sonorité, Coltrane. C'est-à-dire que si ça sonne bien, ben c'est une bonne règle à ce moment-là. D'accord? Fred, j'aime bien ce tuto, bien pratique, je trouve. Oui, Fred, j'espère qu'il est pratique, c'est le but. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, on a le temps, là, on a encore un quart d'heure. Glody, Yves, dans une mesure à quatre temps, quand on utilise le sus 4, un professeur disait qu'il faut utiliser le sus 4 comme accord de passage. Pas forcément, non. Le sus 4, c'est une couleur en soi, hein. Qui te dise effectivement que le sus 4 soit résolu, hein? Sus 4 résolu, oui, parce que ça c'est une résolution, une règle harmonique classique, disons. Mais à partir des chansons actuelles, etc., c'est une règle qui n'est plus valable, évidemment, d'accord? Mais par contre, ce que tu me dis là, sus 4 comme accord de passage, je vois pas forcément, pas forcément, pas forcément. Il marche bien le sus 4 sur la corde dominante, hein. Par exemple, si tu es sur do majeur, dominante c'est sol. Tu vois? Sol, do, ré, fa, avec la septième, le fa, et tu peux résoudre, ou pas d'ailleurs. Voilà, le sus 4 permet un petit peu de substituer aussi, de pas mettre tout de suite la corde dominante, mais avec d'abord ce mouvement de quarte vers la tierce, tu vois, c'est intéressant. Voilà.
Ça, c'est pour les chansons d'amour nostalgiques, c'est ça. Pas forcément Cafa, mais je t'ai donné dans beaucoup de pop songs, hein, tu utilises ici le sus. Hein. D'accord? Nicole, oui, tuto très bien pour les débutants, merci. Oui, ça va peut-être un peu vite pour les débutants. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver hein, beaucoup, beaucoup de tutos qui vont t'expliquer, Nicole, hein, un peu l'ABC, hein, c'est-à-dire le départ, les bases, etc. Notamment dans la playlist théorie musicale hein, débutant, et puis piano débutant aussi. Mais bon, il y a aussi des playlists sur les accords, des playlists sur les gammes, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu. Et puis, revoyez aussi les lives, hein, parce que les lives sont assez riches. Ils ont l'avantage d'avoir des questions, des réponses, etc. Voilà. Mais en direct, c'est encore mieux. On peut se passer d'apprendre donc tous les modes et juste déduire facilement les touches qui sonnent et non pas par rapport à l'accord joué. C'est toujours par rapport à un accord joué. Hein, je veux dire, quand on improvise en jazz, par exemple, à la main droite, d'accord, c'est toujours la couleur d'un accord qui est la base ici. Et avec cette couleur-là. Tu vois, on essaie de choisir des notes qui. Qui correspondent un petit peu à cet accord. Donc c'est souvent basé sur un accord. De l'accord en général peut être déduit effectivement des gammes, des modes ou des échelles, hein, pour improviser par exemple. Renel, il n'y a pas de prof de guitare, je suis débutant en guitare. Non, désolé, je ne suis pas guitariste. Coltrane, super l'impro sur Body and Soul. Ah oui, d'accord, la vidéo que j'ai mis, d'accord, oui, tout à fait. J'espère qu'il y en aura d'autres, genre My Foolish Heart. Oui, My Foolish Heart, il y a une très très belle, très très belle interprétation aussi de Bill Evans, je crois. Hein. Je le conseille en tout cas, je le recommande. Exodie, Yves, je reviens sur la question précédente de BSS, s'il te plaît. Je ne sais plus quelle est la question, comme ça passe très vite, il faut me la reposer. Merci. Jean Cover, comment vas-tu jouer cette progression en la bémol majeur? Ah, en la bémol majeur, c'est-à-dire, ben ça va faire la bémol majeur pour le 1, fa mineur pour le 6, d'accord? Puis ré bémol majeur pour le 4, et puis pour le 2, si bémol mineur. Voilà, je le rejoue, la bémol, sixième. Ensuite, quatrième degré, donc ré bémol. Et si bémol mineur pour le 2. D'accord, Jeans? Fred, quand j'ai vu le tuto avec la mélodie, les moulins de mon cœur, pourrais-tu remontrer l'exercice avec la progression de la mélodie? J'ai eu du mal à voir la première note, merci. Je me souviens plus de ce que j'avais fait dans le tuto. Je m'excuse, hein, il y a énormément de vidéos, Fred. Il y a plus de 220 vidéos, je crois, sur le site. Et j'arrive plus à me souvenir ce que j'avais fait d'ailleurs, même un tuto sur les moulins de mon cœur. Je ne me souviens plus de ça. Oui, probablement, peut-être au niveau des marches harmoniques, hein, c'est ça, Fred? Il me semble que c'est les marches harmoniques, le tuto. Et j'avais pris effectivement les moulins de mon cœur comme exemple parce que c'est une marche harmonique en soi du début à la fin. Voilà. Donc, effectivement, je me souviens même plus de la tonalité dans laquelle je l'avais prise. Mais voilà, je suis désolé, je peux pas voilà, remonter comme ça d'un coup sur ce tuto en particulier. Mais voilà, c'était au sujet des marches harmoniques, oui. Oui, en fait, on fait mi, la, ouais, etc. C'est une marche harmonique, en fait. Alors, ça, c'en est un autre, je crois. Je ne crois pas que ce soit les moulins de mon cœur. C'est possible. C'est possible que ce soit ça. BSN, dans ta vidéo sur les accords altérés, sur un accord de septième mineur, tu dis qu'on ne touche pas à la tierce mineure. Non, parce que la tierce mineure, c'est toujours la base de l'accord mineur. Si tu enlèves la tierce mineure, ça n'est plus un accord mineur. Ni la neuvième, mais tu dis que pour altérer la quinte, quand tu nous dis de nous dire pour la quinte. Non, parce que si tu altères la quinte en diminuant la quinte d'un accord mineur, ça devient un autre accord, ça devient un accord diminué. D'accord? C'est donc une autre nature d'accord. Par contre, sur un accord mineur,
tu peux altérer la septième mineure en septième majeure. Voilà, ça c'est un accord un peu dramatique comme ça, c'est intéressant. Abel, pourquoi il faut éviter les majeurs 7 dans la chanson ? Oh, parce que ça donne une couleur un petit peu mielleuse, enfin je veux dire, voilà, c'est pas... ça va faire une chanson des années 30 ou 40. Non, je pense que la septième majeure, effectivement, elle est souvent... donc souvent, elle c'est sur le premier degré. Voilà, donc ça va donner une couleur un petit peu ancienne, voilà, simplement, qui n'est pas d'actualité, disons. Voilà. Wendy, quelle est la différence entre le dièse et le bémol ? Ah ben c'est simple, Wendy, hein. Si tu as un ré, qu'on appelle ré naturel, la touche blanche ici, si tu as ré dièse, tu augmentes d'un demi-ton. Et si tu as ré bémol, tu descends d'un demi-ton. Voilà, simplement. Le bémol descend d'un demi-ton ta note et le dièse, il l'augmente, simplement. Ça s'appelle des altérations. Jane, do, ré, mi, sol, est-ce un cluster ? Oui, bien sûr, tu peux. Do, ré, mi... oui, il y a un petit cluster au milieu, tu vois, do, ré, mi, ici. Je préfère si, do, ré, mi, sol. Voilà, si, do, ré, mi, sol. Le cluster de do majeur. Assez intéressant, hein ? C'est un frottement... utilise beaucoup les jazzmen, mais on l'utilise beaucoup dans les musiques de films aussi. Tu vois, sonorité assez intéressante, Jane. Cluster. Jeans, et dernière, quelles sont tes 5 musiques préférées ? Ouh là là, mais il y en a beaucoup. Je pourrais pas te dire ça, peu importe le style, jazz ou classique. On peut pas parler déjà au niveau des styles, j'ai toujours été éclectique parce que j'ai travaillé dans beaucoup de styles différents, dans beaucoup de domaines, puisque j'étais arrangeur, donc on me demandait à la fois du jazz, de la musique de film, de la chanson, peu importe, même du rap, hein, j'ai fait du rap aussi, et oui. Et donc, j'ai pas de musique préférée. Bon, il y a bien sûr des musiques qui me donnent un petit peu le frisson, et c'est celles-là, évidemment, qui correspondent à ma vibration, un petit peu. Mais non, il serait plus facile de dire quels sont tes compositeurs préférés en musique classique, par exemple, ou en jazz, ou etc., que dire de quelle musique. Parce que des musiques, il y en a des centaines de milliers. Et il y en a beaucoup, effectivement, qui touchent, qui me touchent. Mais ça, c'est personnel, hein, bien sûr, évidemment, puisque on a une certaine vibration et on est en rapport, certainement, avec une certaine émotion aussi. Donc, il y a des musiques ou des compositeurs ou même des artistes qui nous touchent plus que d'autres, évidemment. Et ça, c'est tout à fait personnel, évidemment. Donc, difficile, hein, Jeans, à dire quelles sont mes 5 musiques préférées. J'ai une sélection dans mon iPhone là, ou dans mon truc, mais évidemment c'est des musiques préférées, mais ça touche tous les styles, oui, effectivement, ça touche aussi bien des musiques de Ravel dans la musique classique que des musiques de Bill Evans dans le jazz ou des musiques de je ne sais pas, John Williams dans la musique de film, ou voilà, des grands, hein, en tout cas des grands musiciens, en tout cas écoutez toujours des grands musiciens, écoutez toujours le top, parce que c'est ça qui va former votre oreille et vous donner ce goût de la musique, de la bonne musique. Fred, oui, c'est ça, marche harmonique, c'est pas grave. Ok, oui, c'est les marches harmoniques, effectivement. Oui. Chantal, c'est bien les moulins de mon cœur, tout à fait, oui, c'est ça. Daniel, y a-t-il un tuto expliquant le rythme, car j'ai du mal à compter les temps. Alors, le tuto... alors, il y a un bouquin qui s'appelle Le rythme, hein, sur le site shop.musicclassroom.com. Là, il y a un bouquin entier qui existe en téléchargement. Ça s'appelle Le rythme. C'est le volume 2 ou 3 de la collection Music Classroom, je pense. Tu vas le trouver. Et si tu veux vraiment bosser le rythme, travaille avec ça. Parce que là, je parle de tous les rythmes, des mesures également, de tout ce qui touche au rythme musical. Hein. Je t'en prie, Jeans. Tebs, y a-t-il un tuto pratique et complet pour accompagner une chanson sans solfège, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si c'est sans solfège, mais en tout cas, dans mes tutos, je joue les exemples. Donc, tu peux aussi regarder les doigts et regarder les positions d'accords. Mais je mets toujours aussi, pour ceux qui lisent la musique, donc une petite partition pour qu'ils puissent suivre également. Et voir en téléchargement pour certains tutos.
Et je le dis là, effectivement, que tous les tutos n'ont pas de PDF, mais certains, en tout cas quand je l'annonce, vous pouvez effectivement passer par le téléchargement du PDF également. Voilà pour ceux. Sinon, bon, pour ceux qui ne lisent pas, il faut simplement regarder les doigts sur un clavier. Pas ce soir, parce que là, vous ne pouvez pas les voir, c'est un clavier virtuel. Mais en tout cas, quand je les joue sur le piano acoustique, vous pouvez voir mes doigts et essayer effectivement de reproduire un petit peu ce que je joue. Marie T, bonjour Yves, quels sont les enchaînements d'accords les plus utilisés en pop? Il y en a beaucoup, Marie. J'ai fait des tutos là-dessus également, sur les enchaînements les plus couramment utilisés, évidemment, dans la pop en général. Il y a beaucoup de tutos, c'est-à-dire c'est la façon dont tu vas inverser les accords sur différents degrés. Soit tu fais 1, 6, comme on a fait là, 5, du moins 1, 5, 6, 4, mais ça peut être aussi 1, 6, 4, 2, 5. Tu vois, je veux dire, on peut créer des musiques, enfin, elles ont été créées déjà, hein. On n'est pas pionnier, parce que évidemment, tu n'as que 7 degrés, et quand tu construis des accords sur une tonalité, ben, c'est toujours les mêmes degrés. Simplement, il faut varier l'ordre, évidemment, de ces degrés de la gamme sur lesquels tu construis des accords, et tu peux inventer d'autres progressions pour tes chansons. Gilles, bonjour, salut, bienvenue. Glody, Yves, peut-on utiliser les quatre natures d'accords dans une mesure à quatre temps, c'est-à-dire changer de nature à chaque temps de la mesure? Oui, ça dépend des musiques, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut. Voilà, on peut avoir une musique qui utilise évidemment quatre accords par mesure et changer tout le temps. Mais on peut aussi garder une même nature. Par exemple, si je pars sur un majeur, je peux garder un La majeur, un Fa majeur, tu vois, enchaîner des accords de même nature, c'est ou mineur, Sol mineur, La mineur, Si bémol mineur, Do mineur. Mais après, il faut changer quand même parce que ça fait un peu systématique et j'arrive sur un majeur par exemple, d'accord. Coltrane, merci encore, super tuto, même si je ne suis pas vraiment branché variété, on apprend toujours, d'accord, restons ouverts. Piano, gospel, passer en progression pour aller sur Fa et Do et Sol. Fa, Do, Sol, comme ça? Bien sûr. Bien sûr. Fa, quatrième. Tu vois ici? Do, premier. Et Sol, cinquième. On peut inventer une mélodie. Tout à fait, c'est possible. Wendy, est-ce que toutes les touches blanches sont naturelles et pourquoi? Non. Non, parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ce sont les touches bécard, donc naturelles, tout à fait. Mais imagine que ceci ne soit pas un Do bécard, mais un Si dièse. Ah, à ce moment-là, donc, tu vois, le Do n'est plus un Do, mais un Si dièse. Si, qu'on élève d'un demi-ton, c'est un Si dièse. D'accord ? Donc toutes les touches blanches ne sont pas évidemment des touches naturelles. En tout cas, bécard. Voilà. BSN, peux-tu nous indiquer ton tarif pour une heure de quoi ? Alors là, je te laisse voir sur le shop BSN, sur le shop.musicclassroom, tu regarderas au cours particulier, il y a donc un menu, un cours particulier, parce qu'il y a plusieurs façons, il y a des demi-heures, il y a des heures, il y a des cours au mois en forfait, etc. etc. Donc là, je te laisse regarder. Voilà, je préfère ici répondre à des questions plus précises sur la musique. Bonjour Didas, bienvenue, bonsoir en tout cas. Snyton, on peut faire des accords sus, ni sus 2 ni sus 4. On retire juste la tierce. Bah, si tu retires la tierce, il reste Do Sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle une quinte à vide. Voilà, la quinte à vide. Et là, il n'y a plus de sus, évidemment. C'est une quinte, un accord de quinte à vide. Voilà. La quinte à vide, ça veut dire qu'il n'y a plus la tierce au milieu, d'accord? Mais bien sûr. Tu vois, on peut faire aussi une progression d'accord de quinte à vide comme ça, oui. Anita, comment choisir à la main gauche si on fait une octave, une quinte ou une septième?
Il faut être précis, Anita. Je ne sais pas exactement quelle est ta question. Comment choisir la main gauche si on fait une octave? Ah, tu veux dire en simultané comme ça? Bon, on peut faire des octaves dans la chanson. D'accord? On peut faire des quintes aussi. Tu vois, les quintes aussi. Les septièmes, oui, aussi. Alors, ça va donner autre chose, hein, une autre style, parce que là, tu me fais faire une septième majeure sur do si. Voilà, tout de suite, avec septième majeure, tout de suite, là. Le style change, hein, si tu veux l'utiliser dans une chanson. Hein, c'est un style un peu plus suave, hein, plus doux. Piano, comment jouer du blues? Alors ça, c'est le genre de question bateau à laquelle on ne peut pas répondre en une minute. Il y a des tutos pour ça, jouer du blues. C'est comme si tu me disais comment improviser. C'est beaucoup de choses. En tout cas, le blues est basé sur trois accords, hein, le 1, le 4 et le 5. D'accord? Voilà. Et généralement, ce sont des accords de dominante. Le 1. Le 4 et le 5. Voilà, ça c'est la base du blues. Après, il y a des grilles blues un peu plus complexes qui sont substituées aussi, c'est-à-dire dans lequel on va intégrer de nouveaux accords, on va insérer de nouveaux accords, hein. Ça s'appelle la substitution d'accords. Mais enfin voilà, le blues c'est ça, c'est déjà basé sur une grille qui est devenue une grille standard, elle a été utilisée évidemment par un nombre impressionnant ensuite de mélodies, hein, d'accord, et de compositeurs. Voilà. Yves, merci. Les mardis soirs sont. Ben, je t'en prie. Je pense qu'on va arrêter là. Il est 20h. Je suis désolé pour les dernières questions. Je vais en prendre une dernière au hasard. Hein, désolé. Yves, peut-on utiliser les accords alternés dans la chanson? Ça fait partie. Oui, tout à fait. On peut. On peut. Béatrice, il me semble qu'il est plus facile de lire et d'anticiper la lecture des notes en lisant la clé de fa en bas avant la clé de sol. Moi, je pense que l'apprentissage des clés, Béatrice, c'est toujours les deux en parallèle. Jamais commencer par une clé et après une autre. Non, les travailler les deux en parallèle. Ça, c'est ma méthode. Gilles, je me suis mis à la guitare avec solfège, oui, depuis peu. J'aimerais apprendre aussi le piano, mais j'ai peur que les deux instruments prennent le dessus. Ben, c'est surtout Gilles que déjà travailler un instrument, ça prend parfois une vie entière. Et que lorsqu'on veut jouer plusieurs instruments, ben ça double le travail simplement. Surtout des instruments aussi différents que la guitare et le piano, bien entendu. Salut Frédéric, donc je vous dis à bientôt, on va arrêter là. Je vais vous dire donc à mardi prochain, hein, 19h normalement. Peut-être que je ferai donc un tuto libre où vous pourrez poser toutes les questions, c'est vous qui déciderez des sujets. Et puis ça vous laissera effectivement le loisir de me poser des questions sur différents sujets, hein, de la musique. Et ben, passez une belle semaine. Je vous dis à mardi prochain. Pour les débutants, vous savez que j'annonce toujours les sujets des lives, donc sous l'onglet communauté de la chaîne, quelques jours avant donc le live lui-même, peut-être 2, 3 jours avant le live. Je mets aussi des sondages pour savoir quels sont les tutos que vous aimeriez voir en priorité. Donc, regardez quand même l'onglet communauté, c'est fait pour vous, c'est fait pour la communauté en général. Et donc, je vous dis un grand merci aussi. Salut Daniel, salut Kafa et Fred. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si c'est le cas, laissez des petits pouces en l'air et surtout partagez, hein, je le répète souvent, c'est important. Partagez les tutos, partagez la chaîne aussi. Ça nous permet de continuer tout ce contenu gratuit et je vous dis à mardi prochain, 19h. Passez une très belle semaine. Salut!